programme consiste à faire la promotion de la lecture et de l'accès à l'éducation dans tous les pays où la banque est implantée. Et donc, cela se fait par la distribution gratuite de livres écrits donc, exclusivement par des auteurs africains ou des Antilles, donc à savoir originaires de la grande diaspora africaine, afin de faire la promotion non seulement de notre histoire, mais aussi de nos cultures diverses. Et donc, au niveau du Congo, nous avions l'habitude chaque année de faire de la distribution dans les écoles, mais effectivement, nous avions un écueil, à savoir qu'on ne savait pas si les livres que nous donnions directement étaient réellement lus par les élèves. C'est la raison pour laquelle, lorsque M. Ken est venu nous voir avec ce projet, nous avons tout de suite répondu présent. Déjà, nous avons commencé à collaborer l'année dernière pour un autre programme que nous avons, à savoir le concours national de rédaction dont je vais parler. Et cette année, donc, nous avons répondu présent parce que ce qui nous a intéressé, c'est réellement la création donc, de ces clubs de lecture directement dans les écoles qui vont permettre cette fois-ci de nous assurer que les livres que nous allons donner cette année seront effectivement lus. Donc là, c'est que pour parler un petit peu du programme Read Africa. Concernant le concours national de rédaction, donc c'est un programme qui a été lancé depuis 2010, à savoir l'année de création de la Fondation BA, là aussi dans la plupart des pays africains où la banque est implantée. Donc c'est un concours qui vise à donner l'occasion à des élèves essentiellement du collège, parfois du lycée, dans certains pays, de s'exprimer sur des questions sociétales. Et cette année, étant donné que nous avions un livre qui parlait donc d'une actualité prégnante, parce qu'il faut savoir que 2024, c'est l'année donc de la commémoration du génocide rwandais, nous avions donc à travers Petit Pays un livre qui justement abordait cette question. Nous sommes dit donc que c'était l'occasion de parler de cette activité à travers ce livre. Et donc, nous allons simplement organiser le concours national de rédaction à travers, donc, en demandant aux enfants qui vont participer de faire un commentaire de ce livre afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils pensent et qu'ils puissent aussi donc commenter la vision d'un autre enfant qui a vécu cette histoire très très touchante. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les deux programmes. Je remercie une fois de plus donc M. Ken et l'association d'être venus nous voir afin d'améliorer notre contribution pour la promotion de l'éducation et de la lecture auprès des enfants. UBA cette année ici nous a tendu la main et avec son projet c'est l'école qui lit. On a mis cher collègue Ken qui dit toujours mais tu dis en anglais mais l'anglais c'est pas vraiment ma dose. Donc je dis l'Afrique qui lit, merci beaucoup. Pour ces livres-là, et l'UNESCO et l'Institut français, malheureusement l'AFD n'est pas là. Nous vous remercions de tout cœur parce que comme elle l'a dit en amont de son discours, que ça fait 20 ans que nous sommes là, ça fait 20 ans que nous avons passé des difficultés, ça fait 20 ans qu'on a coupé, on a patiné. Mais l'AFD nous a tendu la main depuis plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, on arrive quand même à mettre la lumière dans les yeux de ces enfants. Comme je le dis souvent, on sait que nous, on ne peut pas changer le monde, mais on peut mettre quand même la lumière dans les yeux des enfants ou bien dans le cerveau d'un enfant pour qu'il change le monde. Pour revenir à notre sujet, le livre 2024, notre vision a été, il a bien expliqué comment a commencé le festival. Moi, je vais aller plus dans les détails du programme et de l'activité de ce qui va se passer pendant le festival. Pour revenir à ce qu'il a dit, c'est parti d'un principe, d'un constat. On a constaté qu'aujourd'hui, nous passons près de 16 ans à l'école. Et à la fin, on fait tout ce que nous avons fait pour la compétence. Mais quand on essaie d'analyser, on s'est rendu compte que c'était pour apprendre à lire et écrire. Et aujourd'hui, même se lire et écrire, ça laisse à désirer pour nous-mêmes les plus grands et aussi pour nos enfants. Et moi, j'ai eu la grâce à travers le festival et Mediapreneur de voyager. Arrivé au salon de livres à Paris, on avait le même problème qu'on avait constaté. Depuis ici, on s'est dit que peut-être c'était nos enfants congolais qui avaient un souci de lecture et d'écriture. Mais en voyageant dans le monde entier, on s'est rendu compte que le problème y est partout. Et comment faire pour remédier cela? Mes grands frères et mes confrères de l'éducation qui sont là. Pour nous, on s'est dit que pourquoi pas mettre la lecture qui est une activité extra-scolaire. Qu'elle devait être une activité pédagogique. Pourquoi on le dit? Parce que on se rappelle,
comme on a parlé tout à l'heure, j'ai utilisé l'onglet du projet de Madame Lorraine. Je vois l'école, on disait qu'on va pas faire les cours d'anglais parce qu'on n'ira pas en Angleterre. C'était ça ce qu'on se disait. On n'ira pas en Angleterre. En Angleterre, c'est pas la peine de faire l'anglais. Mais comme il y avait une notation qui était là, on était obligé d'assister aux cours d'anglais. Et pour dire vrai, la meilleure note que j'ai eue à l'école, c'était en anglais. 18, malgré que je ne parle pas l'anglais. Vous voyez. Donc à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va me motiver? Comme a dit Henri Lopez, que si nous ne lisons pas, c'est parce qu'on ne nous a pas donné le goût de lire. Avec Yen, on a travaillé, parce que comme j'ai toujours dit que dans Média Prenez, on a deux volets. Moi, je m'occupe de tout ce qui est partie des volets. Mais Yen, c'est le producteur, c'est lui qui crée, c'est lui qui... Moi, je l'appelle toujours le maestro, parce que c'est lui qui fait la platine, tout ce qui va avec. On a essayé de retravailler pour voir comment on peut donner le goût aux enfants à la lecture. Comment on va faire pour donner ce goût-là? On a essayé de travailler là-dessus. Et là, on est sorti, on a fait sortir ce cahier qui va être un outil très, très efficace pour le cahier, hein, parce que les enfants vont travailler cette année-ci pour ce document-là. Juste pour trouver aussi les solutions pour régler le problème du goût de la lecture. Parce qu'on s'est dit que si, par exemple, on donne un exemple simple, on dit à un enfant, par exemple, on était, nous, je pense qu'il y a un mois, à l'activité du ministère de la Culture, on a posé la question dans la salle que le premier rire de Rudy Lopez est dans le programme. Qui l'a lu dans la salle? On avait à peine 3 mois. Et pourtant, c'est au programme. On a dit, bon, on descend à 10 pages. On avait à peine 20 doigts. On a dit 3 pages. On était à 20 doigts. On a dit tout le livre, il n'y avait personne. Et on a posé la question. Par exemple, si on vous dit qu'il y aura une notation sur le rire ou pas, que si vous le lisez, les examens, tout ce qui va faire la thèse, ou bien toutes les questions qui vont arriver au bar vont être posées dans le rire, qui va le lire? C'était toute la salle qui avait lu. Que pour eux, ils trouvaient que c'était important. Ils disent que mais si c'est au programme, on nous dit que les questions vont venir de là, à ce moment-là, nous, on pourra l'utiliser. C'est ça que nous, on s'est dit que c'est très, très, très intéressant qu'on mette une récompense derrière. Parce qu'imaginez qu'on dise aux enfants, vous allez lire le programme, il y aura une notation derrière. Je pense que tout le monde va travailler là-dessus, tout le monde va le lire, et on aura plus... des gens qui ont le goût d'aller vers la lecture. Et nous, notre ambition, comme on le dit toujours, c'est d'arriver, comme une question m'a toujours posé, que tu veux être alphabet ou grand lecteur. Et on veut arriver à pousser tes enfants là à devenir des grands lecteurs. Pour aller plus loin, le festival scolaire de cette année, s'il va se tenir du 24 au 31 octobre, on aura 7 jours au palais de congrès. Et notre thème de cette année-ci, c'est une école, un club de lecture. Pourquoi le choix du thème? Parce que nous voulons aller dans la pérennisation. Les précédents festivals, on a eu à Paris, on est revenu, mais on a pensé pour nous qu'on n'avait pas réglé le problème de la lecture. Après Paris, que sont devenus ces enfants? Ils sont dans les écoles. Que deviennent les promoteurs de l'école? Quelles sont les activités qui sont établies dans les écoles? Il n'y avait pas de choix. On s'est dit, notre vision, nous, le festival pour nous, c'est juste un outil. Comment faire pour régler le problème de la lecture? À ce moment-là, on va penser à ce thème pour arriver à pérenniser, pour arriver à pousser les écoles, à créer ou à développer des coins où les enfants vont commencer à s'exprimer et à devenir des lecteurs engagés dans la lecture. C'est ça notre vision de ce thème. Et cette année-ci, on a choisi le livre plutôt de Ubia, l'auteur Gaël Faye. Et pourquoi ce livre? Parce que ce livre parle de beaucoup de choses. Il parle d'abord de vivre ensemble, des guerres et d'un divorce dans les yeux d'un enfant de 10 ans. On a essayé de travailler l'année dernière avec l'Institut français quand ils ont fait le salon de livres de jeunesse, avec notre activité qui est l'activité phare. Qui va être dans le festival de Nsakamo. Et quand on travaille avec les enfants, on a vu le ressenti des enfants, ce qui ressortait dans le cœur des enfants. C'était des expressions un peu plus, on peut dire, à
attachés plus à leur vie et on a vu le changement qu'il y avait. À ce moment-là, on a essayé de continuer dans cette lancée-là, dans ce livre-là. Et à part ça, on a des prix qu'on a prévus dans ce festival-là. On va ramener cette année-ci deux promoteurs d'école qui vont partir à Paris avec nous. On aura 6 élèves qui vont partir avec nous. On a aussi mis les professeurs de français en challenge parce qu'on se dit que la particularité, c'est que souvent, on met plus l'accent sur le promoteur au lieu de mettre l'accent sur l'enseignant que le professeur de français. Et la particularité du festival cette année-ci, c'est que nous allons travailler avec des enfants qui ont une faible moyenne en français. Ce sera le challenge des professeurs de français. L'année dernière, de toutes les années précédentes, nous avons travaillé avec les enfants qui sont meilleurs parce que l'idéal, c'était que l'école présente les enfants meilleurs, qu'on arrive en France avec des enfants qui sont capables de représenter le Congo. Mais comme je l'ai dit en amont, ce n'est pas vraiment notre vision. Notre vision, c'est vraiment d'arriver à changer les réalités, arriver à mettre un décor au niveau de la lecture. Et à ce moment-là, on va travailler avec les enfants qui ont une faible moyenne en français. Et le challenge de ces professeurs-là sera de remonter le niveau de ces élèves-là pendant la compétition. Et le meilleur professeur qui va arriver à rehausser ce niveau-là, c'est ce professeur-là qui va partir avec nous sur Paris. On a, à part ça, on va créer aussi un village dans le Palais des Congrès. Et ce village, ça va mettre en accord nos sponsors, les élèves, les écoles, afin qu'il y ait un dialogue. Il y aura aussi les ateliers qui vont se faire par là. Il y aura aussi un coin festif, parce qu'on voulait cette année-ci mettre une relation entre la lecture et tout ce qui est là. Parce que souvent, quand on nous parle de lecture, on a l'impression de quelque chose de dur, de fort. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut lire en sa maison. On peut devenir lecteur en sa maison. Donc, on va créer cette atmosphère de festif autour du livre. Après ça, on aura des éditeurs qui vont être là sur place afin de permettre qu'il y ait encore cette rencontre-là. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, quand au fil des années, on s'est rendu compte, ils ne connaissent pas réellement le livre congolais. Ils ne connaissent pas comment, quelles sont ces maisons d'édition. Donc, on aura aussi une plateforme où il y aura ces éditeurs-là. Et cette année-ci, pour continuer toujours dans notre vision, parce que Ken ne l'a pas souligné, moi je vais essayer d'apporter encore un peu là-dessus. Notre vision première, c'était de faire de ce festival un festival national. Après qu'elle devienne un festival africain. L'année, quand on a commencé avec une seule ville qui était Brazzaville. On a travaillé pendant des années sur Brazzaville. Et l'année dernière, nous avons rajouté Pointe-Noire. Ça s'est très bien passé. Cette année-ci, nous avons rajouté encore deux villes, qui est Owando et Dolisi. Après, pendant les gens qui vont compétir, on aura à peu près pendant le festival 507 enfants qui vont être là sur Brazzaville. Et notre objectif, vraiment, c'est de créer à peu près 38 clubs scolaires pour cette année-ci. Et l'année prochaine, nous allons encore rajouter 38 pour aller à 68. Et puis l'année, sur 3 ans, on va encore rajouter 38. Nous voulons aller de 38 à 38 chaque année pour essayer vraiment d'implanter ces clubs scolaires-là dans les écoles. On a associé pour cette année-ci tout ce qui est conseiller, tout ce qui est député de la nation, tout ce qui est dignitaire de la nation. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la lecture, c'est un problème qui nous concerne tous. Et il faut qu'on commence, si on veut vraiment arriver à préparer ces jeunes engagés dans le changement, dans l'amour de cette lecture, il faut que tous on s'y prenne là-dessus. Donc c'est pour ça que les gens seront un peu étonnés de voir que toute la République est mobilisée sur ce festival. C'est par rapport à la vision de notre festival, c'est vraiment que ça soit un festival national d'abord, après que nous ayons plutôt un festival africain.
Pour Brazzaville, on a eu des écoles qui nous ont été recommandées par la DDPSA. On pense qu'on aura la même chose à Pointe-Noire et à Dolisy. Mais si les écoles ne sont pas recommandées, nous-mêmes, nous avons une base de données d'établissements scolaires que nous contactons librement. Et les premières écoles inscrites, ce sont les écoles que nous retenons. Il faut préciser que pour la partie championnat des clubs scolaires de lecture, ce sera deux écoles par arrondissement. Une école publique, une école privée. Les inscriptions sont gratuites. C'est-à-dire que dès qu'une école est intéressée, qu'elle lit le règlement, elle approuve le règlement, automatiquement elle remplit la fiche d'inscription et l'inscription. Bon, il y aura trois compétitions. La première compétition, c'est le championnat national des clubs scolaires de lecture. La deuxième compétition, c'est le concours scolaire du photojournalisme. Et la troisième compétition, c'est le grand oral des chefs d'établissement scolaire. En plus des trois compétitions, nous aurons trois prix spéciaux. Le prix Kalissa Ikama du meilleur exposé oral, le prix magazine Viser l'excellence du meilleur chef d'établissement scolaire et le prix de la fondation UBA de la meilleure rédaction. Bon, le festival des 12 rues du livre est organisé depuis plusieurs années par l'association Média Freelance en collaboration avec la fondation Kalissa Ikama. Dans l'objectif vraiment de redonner le goût de la lecture plutôt aux enfants. La particularité de cette année-ci, c'est que toutes les années précédentes, on n'avait jamais eu de thème. Cette année-ci, il y a un thème, c'est une école, un club de lecture. Et les années passées, on n'avait pas de livre à l'honneur. Cette année-ci, il y a un livre à l'honneur, c'est le livre de Gaël Faye, de Petit Pays, le don de la nation plutôt UBIA.